Jessica Thivenin partage une photo d'elle avec un peu de ventre, alors est-elle enceinte? Elle fait un test de grossesse, je vous laisse tout découvrir. Jessica Thivenin contente aujourd'hui d'avoir rencontré ses amis à Dubaï. Les mesures de confinement se sont allégées sur place et les citoyens peuvent désormais se réunir en famille. Mais en fin de journée, panique chez la famille, Thibaut remarque un petit ventre chez Jessica. Cette dernière s'inquiète et décide de faire un test de grossesse. Le verdict tombe, je vous laisse tout découvrir en vidéo. Bon, ben voilà, Célia et Olive sont rentrés chez eux, sont repartis se confiner. On a vu seulement Célia et Olive, on a plein d'autres personnes qu'on connaît ici à Dubaï. Mais c'est vrai que, voilà, bon, à Dubaï, ils ont autorisé à se voir à 5 personnes, 10 personnes maximum. Moi, on a vu que Célia et Olive, je sais que... Bah, eux, ils sont sûrs, hein, genre Olive, il veut même pas descendre de chez lui pour aller faire les courses. Je sais qu'ils font encore faire. Nous, on est des fous, nous, hein, vraiment. On fait vraiment attention et on sait que nos amis aussi. Voilà, donc ils ont juste fait le petit trajet pour venir à la maison. Et ils se sont reconfinés. Nous, c'est pareil, on recommence. Et ça a changé la routine. Mais ça fait du bien, ouais. Bien, hein. Genre, on était trop contents, on s'est vus. Bon, on s'est pas. On a fait un Uno, on a discuté, rien de fou, quoi. Mais ça fait trop du bien. Voilà. Vivement que tout ça soit fini, qu'on puisse vraiment reprendre notre vie tellement normale comme c'était. Enfin, c'est incroyable, je ne me rappelle même plus comment c'était. C'est trop. Poubelle, vous savez ce qu'il vient de me faire? Un test de grossesse. Oui, je ne rigole pas. Je viens de faire un test de grossesse. J'en ai toujours dans mon placard. Et en fait, monsieur me regarde. J'ai reçu une commande d'habits. Donc, très fière de moi. J'ai essayé mes habits devant lui. J'ai dit alors, t'aimes bien ta mère? Puis d'un coup, je me dis putain, mais on dirait que t'es enceinte, t'as un ventre. Et là, d'un coup, évidemment, moi, je pars en crise de panique. Comment ça, je suis enceinte? Alors du coup, je dis attends, non, pas du tout, c'est pas possible. Donc j'ai fait un test et il s'avérait qu'en fait, j'ai juste trop bouffé. Je suis pas enceinte, mais je suis une petite vachette aujourd'hui. Et voilà, regardez-moi ce bide. Non mais sérieux. Oh, m'en fiche de ventre, il sera plat. Voilà.